Voici quelqu'un qui pense que maintenant la Guinée appartient au CNRD. Donc lui, il fait partie du CNRD, donc la Guinée c'est pour eux. Ils vont faire ce qu'ils veulent de la Guinée. Vraiment, c'est vraiment dommage que un intellectuel, hein, quelqu'un qui a fait des études, puisse vraiment penser comme ça et se prononcer comme ça au nom d'une patrie, au nom d'une nation. Au nom d'une république, sincèrement, c'est dommage. Des militaires qui ont pris, comment dirais-je, des militaires qui ont pris les armes, qui ont massacré le peuple, qui ont tué des militaires, et ils ont déposé un président qui était mal élu. Maintenant, c'est eux qui disent que la Guinée n'a même pas besoin d'élection. C'est-à-dire que eux, la Guinée, c'est pour eux. La refondation, ils vont le faire. Et ce n'est pas pour venir seulement faire des élections et aller comme ça, non. C'est-à-dire, ce que Mamadi Doumbouya avait dit. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons. C'est-à-dire, ce que Mamadi Doumbouya avait dit, que ni lui, ni aucun membre de la transition ne sera candidat, ça maintenant, tout ça, c'est oublié. Maintenant, ils ont eu le courage, ils ont eu l'audace de dire que la Guinée les appartient. Mais, mes chers compatriotes, je pense que c'est très important qu'on remonte ce live-là, qu'on partage bien, parce qu'aujourd'hui, comment dirais-je, il y a la délégation de la Guinée qui est arrivée à Paris. Là maintenant, Mamadi Doumbouya s'est confirmé qu'il ne va pas venir. Mamadi Doumbouya, il ne va pas venir à Paris. Maintenant, c'est Baouri qui est venu. Même si il vient, comment dirais-je, actuellement, j'ai des informations qu'ils sont en train de se voir quelque part, quelque part ici, que je ne vais pas citer le nom. Dans un lieu privé, actuellement, ils sont dans un lieu privé, ils attendent de Baouri, voilà. Mais ce qui est sûr, les ministres du CNRD ici à Paris, c'est des personnes non grata. Ça, il faut que vous le sachiez. Voilà. Donc, Moussibéan, Haray Handeko, spécial Ousmane Gawal. Spécial Ousmane Gawal. Haraimo bemon koyo hitting ara nata parce que si tawi no fala partage de partage si tawi no intéressé dum voilà do hina kali si wonde ndabude ko fi yo jama on humpito ko woni feddude kon voilà do ko si tawi no intéressé ma partage sina do wata partage voilà donc kali si ala kay dabede do do c'est des patriotes voilà au passe do ko patriote be tout woni do voilà hina dabbobe buzz hina dabbobe kalisi ko dabbobe vraiment fino démocratie arde la Guinée fino alternance arde la Guinée fino gonga nyibira la Guinée donc c'est kala natu do tay vraiment hino intéressé dum koko wona yewtede do kon koko wona wadede do kon o engagement yettanado fi leydi mendi kala tawdo no haranji dum no wela dum yontigi senditu sinadu wata yontigi senditu donc haray c'est quelque chose de très simple donc haray nous avons Oussouf Alima, actuellement, voilà, qui est à Paris, mais il va savoir que Guinée Mbembe Akiantamo. Il faut qu'il soit clair. Il m'a dit prêt, il m'a soucié de Hikalaba et Poste. Ming a été mal tombé. Parce que si d'adap pour de netto, si d'adap pour de netto, netto, andou de kofala. Andu do ko fala wondo conscience a foti an yilto atada bito ande kadi hala ebi min goddo wa tala hulbinde sadi sam c'est pas possible mi tonya ta dun do ngom fo même pas penser que je vais aller provoquer non an Ousmane Gawal ko wonda wolde fe on do kon tu changal hebuda fi yewtugo le inde lagine fop porte-parole du gouvernement criminel daroɗa tawa hiɗa wawi yewtude sifa ɗi yewtereji joguiɗo micro wonɗo ɓawo télé wona ko fala o haalata wona ko miiji o kadi o haalata piiji ko hay siko gongaji amarede siɗa andi sa haali gonga o o dimba leydi ok c'est à dire siɗa jogui micro on hiɗa ɓawo télé tu peux pas dire tout a wata jogagol micro wola ko falɗa o an Ousmane Gawal non
C'est-à-dire koko wada eno da ko addo a yawde ko gouvernement criminel joni ko du wonda wadde. C'est-à-dire ndaru do den ko woleno da. Force spéciale qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée de force spéciale à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constitué pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours... Gorko Soussaï, quand tu étais à l'opposition, tu as osé dire tout ce que tu as dit là. Tu as osé dire tout ça. C'est-à-dire, menen hande, nous aujourd'hui, qu'on nous conseille d'amen, il n'y a pas. Jogi le micro, on ne peut pas télé, on n'a qu'à faire la ou halata. On n'a qu'à mi jiwa kade halata. Pi jiwa, hai si gonga jamare, si da andi sa hali gonga un, o dimba ili. Spécial Ousmane Gawal are Ousmane Gawal asikude ko angel asikude ko no jela gine engal ko certeten don je te le jure tu vas le regretter hidandi ko chuchal hongal mi jogi Ousmane Gawal hidandi ko hundum wadi sitayori si sen yidi genal fudata te hore mi hula hay fuyi. And if you don't, no, you see, you don't have a one-hour family. No, c'est pas possible. No. Si tu as vu Ousmane Gawal, sincèrement, woni ko energy hombo mi jogoto si yidi wallahi sen yidi adogay ay ko ndo wadde kon ay sadir dundo tawaka e pay koy herjudon bal. An Ousmane Gawal, tu es le porte-parole. An yida souci argol pari do. Wola ko wonda wolde do kon. Mola reduma wolira ni. An sika wondema an. Awawa yidu de gineyem bebe ananda hore ma ni ko marbe conscience. Sika wondema be wawa ta yaudema. An asiku de an ahidey. Ko salir an ahidey. E gineyem yo tiki. Andudo ko feundi, andudo ko fala, oronka ma jawde. Anda sikude dum. Je te le jure, sur mon honneur, Ousmane Gawal, anati e kwa anda. Si t'as vu qu'on mille aduna tout wadi, si t'as vu haouli, yebuda audace, wadda o interview mo wadda TV5 mi anda e kanyunge kumpital. Si t'as vu qu'on audace tout yebuda wadda adun. No. Wallahi billahi. Mingon ilang andi, mingon sen foti, sa andi kondu woni mi jitagol woni ala. Min sen foti, y'a pas de réfléchir. Afami, fe on de do. Il don't worry, so that gold, what don't people even discreetement than the privé, than the affami. Hai hore dun kadi menen, hai hore dun affami. Menen si men adi kome wai on tau de wome den jogi preuve palpable. O compatriot yame, me won don hear you de. Se no compatriot, onon vous êtes des complices. Konon tawa, konon woni délégation CNRD on des criminels. Affami komi nikon. Menen komentayon, womentayon.
jamaa fo andai kon criminel be. Commentaire wo commentaire on va vous considérer des criminels. Ministre onto. Ministre yalte do den wadon officiel. Sans se cacher, waton sou do dey yalte wadon officiel. Waton yo e résidence du privé. Yeah, officiellement ici vous appelez les Guinéens. Pa yi don holi don lami nodite Guinéen be ben. Guinéen be ben no do. Nodite be haron nodondirali sou don diro yawon e lié privé. Waton yo e lié privé. Yeah, noditon Guinéen be ben. Wadon ko Modi Sanda kuyate woy wadde kon. Wadon circulaire gidin holi ton association gidin. Yo Guinéen be ben ar. Pa yi onon yi don iwi la Guinée don ar yi don tank délégation. Mamadi Doumbouya ko yilti don ko onon me rew tanta don. Mamadi Doumbouya kan ko wandi ko yiltani. Quand comme on dit qu'on y est tenu, parce que mes hérissi n'aient nommo, où ils qu'ont hérissi fait on ne doit qu'on, mes hérissi n'aient nommo, où ils qu'ont hérissi fait on ne doit qu'on, et puis fait on ne doit qu'à dire moi on dit mon porte n'a plainte qu'à dire, et moi on dit et puis qu'on y est surtout souti, on en on fait pour moi donc on porte une plainte, on fait pour moi donc on porte une plainte, nous donc comme il halle ni on nous, en Ousmane Gawal, min comme inni wondema. Ina wonde ma day min ko ya menasa min ay sa menasa la min ko mi inni ande kadi min ko min tigi wora min mi mona mi do aka ma menasa du ande kadi joni ko heddi ko sen fotti est ce mi hunnay wala mi hunnata ko mi wido kon ko mi wolani lagine fop ko mi wolani mondom fop min ilo e la diaspora si tawi en fotti enen dido mi hunnay ko mi wi ko wala mi hunnata ko dun jamaa on habbi joni si tawi en fotti si mi jawete wala si mi jawata ma. Je vais te casser la gueule ou bien je vais pas te casser la gueule. Vous n'avez dit. Mais non, Ming, fille assez courante de ma moi, je vais te tolérer. Ming, je vais pas te tolérer, moi. Si tu as vu que tu as fait un bingol, tu as fait un autre. Tu as fait un téléphone, menace là. Nyan den haiko, manifestation. Tu as fait un menace là. Ça y est, manifestation, tu as fait un autre. Ming. What men and me know what I yo, say itum be what it any, be not be 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 june that be what it any ming be waram me. Wanna be wari got. Aha, lagging a fo anda be wari ilo. Me do jabi dun don, komi jomo sitaiko kambe wana tasabu hare mi do jabi. Me ko we go wonder my min say yidi wataku mi watakon, komi fala kon. Yaw gol mangol si tayen yidi non donne ya pas chose hay si police no dari mi yawete yeso mabbe c'est à dire que tu mérites plus que ça ay yaw gol mangol da mérite buri dum mais comme min comme yawete onon yido herdude bobobe kidon herdude bobobe an goddo daro do police daro do min na mi yawete an dum tawa goddo no denji dum min mi denja ki dum min ko yaw ko police tiki inna mi inni comme faute de wo an Ousmane je te casse la gueule. Ko faute de wo je te casse la gueule toi Ousmane. Voilà. Yo ko fala da wo na ba min ko mi fala ko ya no dan ko justice. Mi am expliquer na be fou. Appelle-moi an Ousmane na ko France do hoduda no dan. Nyawo je den ko do fejjata na ko na kiri de. Ina o procureur général na ben zera ta dum de. Ina o justice mo jogi don ton ina ben zera ta dum de. No dan do tu verras. Menen comme une victime. Menen comme une victime. Nous, le peuple de Guinée, nous sommes pris en otage. Non, dame, c'est toi le porte-parole. Appelle-moi si tu es garçon. Na inni ida darta de do den kadi fi parti an ida mari gonga an ko an andi ko fala ko an andi ko wadete c'est toi qui c'est-à-dire c'est toi qui es le roi quoi. Na ledo. A inni wonde ma an ko parti, c'est-à-dire ko forcer. Congrès onko atawete ma taweda si organiser ma nokugo anga organiser nokugo anko hombo il y a longtemps que dans notre pays on a aboli le mariage forcé, donc ça c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri, peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'IFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Nos chemins ont pris des chemins différentes. Tertomen, Djoko CNRD, Djoko criminel, laisse-nous en paix.
chemin qui m'a laissé dit non. Nos chemins ont pris des sérieux, c'est fini quoi. On n'est plus ensemble. Laisse-nous en paix. Angaïni mille aduna, angaïni, c'est-à-dire l'amungung, l'amu bandingu, no pura makuniyo. Anti a osé dire, Allah dit c'est le son mandat, il n'a plus de mandat dans l'UFDG, ang Ousmane Gawal. Angaï a onti hundo koma kon, ko kumpital, de bal de do. A onti hundo koma kon, ti a osé soulever ta bouche, ta osé soulever ta langue, dire que Allah dit c'est le n'a plus de mandat dans l'UFDG, parce que c'est fini depuis en 2020. Mais tu as osé dire que le CNRD ne va pas organiser des élections. Parce que eux, ils sont légitimes. Et là, Selou n'est pas légitime. Selou Dalé n'est pas légitime dans l'UFDG. Mais Mamadi Doumbouya, il est légitime au CNRD. Toi, Ousmane, toi, tu dis que tu es intellectuel. Toi, tu dis que tu as fait des études. Toi, tu dis que tu es démocrate. Toi, tu dis que tu luttes pour la démocratie. Toi, tu dis que Selou Dalé n'est pas légitime dans l'UFDG, mais Mamadi Doumbouya qui a assassiné combien de personnes, qui a massacré combien de personnes, combien de militaires, il a pris le pouvoir. Ils l'ont donné un an gratuit, un an cadeau. Après avoir tué je ne sais pas combien de personnes, il y a eu un accord avec la CEDEAO, la communauté internationale, les forces vives et tout. Il y a eu un accord signé de 24 mois. Maintenant, ces 24 mois-là, vous ne voulez pas respecter ça. Vous dites encore non, non, non. C'est-à-dire, Vous êtes légitime. C'est-à-dire, c'est le peuple qui vous a voté. C'est ça. C'est ça, Ousmane Gawal. Hadi, toi, tu oses dire ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Hidawai, Wolugol, Kalago Falada. Hidawai, c'est-à-dire, Hidawai, Wide, Ontewi, Gotonai Wolu. Hidawai, Wide, Marias Force Lani, Gotonai Wolu. Hidawai, Wide, Gotonai, légitime, Gotonai Wolu. Saria Onkadi, si Congré Wada Mato, Anga Wadiraito. Anko anguni hombo Ousmane Gawal. Angu Ousmane Gawal. An tu es qui? Quand vous voyez ces mines, c'est un faute de ces mines. Jawalima. Wata Allah achan. Si je te montre pas, wata Allah achan, c'est un faute. Mais comme je me fais plaisir, Ousmane Gawal. Mine c'est un faute, je me fais plaisir. Yoko police inna mine ilo inni si ben faute. Oh jawalima parce que sinon on va pas plaisir. Mine si jawalima mais pas plaisir, Ousmane Gawal. Ici en France, non faute non. Wallahi billahi je non, il n'y a qu'au yauton do soudo don do den résidence privée ou il y a don not don diri don soudi. C'est pas ça. Dans le fond, il y a des déplacements qui sont dans le monde de métifica. En tout cas, mais il y a soudi. Mais si tu as eu un wadi do den acte got officiel, on nous dit qu'il y a un bébé. On te mati ça, il y a le tidon. Mimi, il y a passé comme Guinéen. Si tu as eu un an Ousmane Gawal. Mi jawali ma yeso polison ko wiida la wo innam batar ko mi batarjo anda sikude angi da susiredu anda sikude da susiredu ko dari da do den woluda do den computer dum do yonete ket mimmi wi no computer do no kama wadande interview banni be wadanno ma interview parce que ayeti ki jama aduna on fop que la Guinée n'a pas besoin d'élection. Les Guinéens ont besoin de l'électricité, les Guinéens ont besoin de l'eau. Les Guinéens ont besoin de route, les Guinéens ont besoin de la paix. Ang Ousmane Gawal ang dawaye addande Guinéen be men paix. Ko ang addanta himbe be Guinéen be men uttu. Ko hewtata don den ko yettoton waraton himbe be yetton pouvoir. Est-ce que on tawa no courant Conakry 24 heures sur 24. No wodi no keli go ko courant ko payno. Kono nako kalum na kalum. Kalum courant on har hebiki. Ndiyan har no wodi. Hande hay banki ji din on vidi hay fous banki ji din wodum on vidi mudi ko wonno ton foppon jetti joni non gal bandiya gal don ono anko dum don innata légitime ne a Ousmane Gawal te légitime a Selou Dalé n'est pas légitime ah bravo Selou Dalé n'est pas légitime Selou Dalé dans le pays. À l'étranger, partout il est légitime. Ang Ousmane Gawal, si comme tu es légitime, nous dit-il de l'IMBE UFDG. Tu es là actuellement, nous dit-il de l'UFDG. Naya, il nous dit, ami de Ousmane Gawal. Non.
Ne dis pas ami d'Ousmane Gawal. Toi, tu dis que tu veux gérer l'UFDG. Maintenant, pourquoi tu n'appelles pas les gens de l'UFDG maintenant, si tu veux gérer l'UFDG? Mais appelle-nous maintenant, c'est Komeneng. Komeneng ou l'UFDG, nous dit tout même. Ça nous dit même. Mais il y a un autre. Tu as vu? Son grand frère, Ousmane Gawal, même père, même mère, nous avait dit que tu ne mérites pas d'être ministre, que tu vas brûler la Guinée. Et il y a beaucoup qui pensaient qu'il a exagéré, mais il n'avait pas exagéré. Aujourd'hui, comme c'est spécial Ousmane Gawal, on va mettre ça aussi. Ça, c'est ton frère, même père, même mère. Si toi, tu as dit, tu vas prendre de la drogue, mettre dans ses bagages pour que la police lui arrête. Si moi, je te croise ici et je te monte, il faut lire ça à la police parce que tu le mérites. Mais tu mérites mieux que ça. Tu mérites plus qu'on te casse la gueule, toi, Ousmane Gawal. Tu mérites... Non. C'est... Moi, je vais dire à tous les gens qui soutiennent Ousmane Gawal, chers compatriotes, chers Guinéens, ressaisissez-vous. Arrêtez de soutenir ce gars-là. Arrêtez de lui soutenir. Le gars-là ne mérite pas le soutien d'aucun être humain. Je dis, regardez, son propre frère, même père, même mère, il n'a pas osé dire, il n'a pas eu pitié de lui. À cause de biens matériels, il est prêt à lui mettre la drogue dans ses bagages pour qu'on lui arrête. On dit que c'est lui, c'est un ministre de la République. Mais ce n'est pas possible. Ce gars-là, il ne mérite pas d'être ministre. Ce gars-là, il ne mérite pas d'être ministre. Mais, mes chers compatriotes, je vous en prie, arrêtez de soutenir ce gars-là. Attirez-ni, soutenez-vous Ousmane Gawal. Attirez-ni, soutenez-vous Sifa Onet. Dariko wadi nene goto makko. Onon hande yi don jokki odo den fi tun wonde may mo jonnude on goddo may don tanjini goddo ne makko ko fi hondon ko paske ko jawdi leydi men din o woni yettude o utiliser ko dum o woni yettude o jonna on si tawi kadi hawri mo utiliser kadi sabu poste makko o nangi yettude go don fi wallitagol goddo ma wigol wadanay goddo goddo ko yo ngandu dum kadi c'est éphémère dum ko lannata ni dum do fejja e joni musibbe am dum c'est fini c'est foutu ça va se finir ça c'est fini déjà. Mamadi Doumbouya mo wolori on Mamadi Doumbouya mo wolori Mamadi Doumbouya ko dégazo Mamadi Doumbouya pourquoi nous on n'a pas ça dit on n'a plus de sentiments avec Mamadi Doumbouya parce que nous on a soutenu Mamadi Doumbouya tu vous comprenez ça dit on a tout fait pour Mamadi Doumbouya parce qu'on pensait vraiment qu'il était venu vraiment pour qu'on puisse finir avec des transitions en Guinée pour qu'on puisse vraiment se regarder dans les yeux. Pour qu'on réconcilie tous les Guinéens. Nous, on pensait que Mamadi Doumbouya, c'était la solution. Il est venu vraiment pour régler le problème des Guinéens. Mais il est venu, voilà, des bandits qui l'entourent. Voilà, c'est des bandits qui l'entourent, comme Ousmane Gawal. Comment Mamadi Doumbouya va faire quelque chose de bien? C'est des voyous comme ça qui l'entourent. Hein? Des voyous comme ça, là. Des voyous comme ça. Spécial qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc... Là, il parle des forces spéciales. Ça, c'était au temps d'Alpha Condé. Ça, c'est, excusez-moi, ça c'était au temps d'Alpha Condé. Il est en train d'attaquer les forces de l'ordre. Tu vois, là, en ce moment,
il était, comment dirais-je, il était à l'opposition. Écoutez bien ce qu'il disait. Non, c'est vraiment un vrai farfelu, ce monsieur-là. Il vraiment. Non, 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 non. C'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinats par arme de guerre. Un maire peut interdire une manifestation à délocaliser, mais pour des raisons objectives et qui sont motivées. Lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques de la mobilisation, nous résistons, nous refusons parce que c'est un droit. Le droit au cortège, le droit à la libre circulation sont des droits. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'était toi. Tu penses que nous n'avons pas de. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des humains. Toi, tu nous dis tout ça. Et aujourd'hui, tu es prêt à nous dire que. C'est-à-dire, on ne peut pas. Hein? C'est-à-dire, on ne peut pas. Ça, il y a Mikto qui me demande un débat. Ça, tu m'appelleras sur mon privé, on va programmer ça. Aujourd'hui, c'est spécial Gawar. Voilà. Moi, pour moi, ici, là, avec Gawal, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Parce que ça, même pour lui considérer être humain, c'est trop. C'est trop. On ne peut pas on ne peut pas être un être humain. Avoir dit tout ce qu'il a dit, hein, tout ce qu'il a dit là, tous ces bobards qu'il avait dit quand il était à l'opposition, il nous a dit clairement, je dis, c'est pas interdit de tuer un président de la République. Ousmane Gawal nous a dit ça ici au temps d'Alpha Condé. C'est-à-dire, il a dit, c'était pas interdit de tuer Alpha Condé. C'est ça, il a dit. Quand il était à l'opposition. Et c'est pas l'UFDG qui l'avait dit de dire ça. Hein. C'est lui qui disait tout. Il disait, c'est-à-dire, c'est lui qui parlait comme il voulait. Aujourd'hui, il dit, quand tu as le micro, quand tu as la télé, tu dois pas dire n'importe quoi. Non, mais le gars-là, il est dangereux. Donc, ça veut dire que quand toute l'opposition qu'il a fait, c'était de la démagogie, de la malhonnêteté pure et dure. Donc, quand toi, tu es dans le gouvernement, c'est-à-dire toi, personne n'a le droit à l'Internet, personne n'a le droit à des médias, personne n'a le droit même de respirer, personne n'a le droit de parler. Toi, Ousmane Gawal, personne ne doit manifester, personne n'a droit à des élections. Parce que c'est toi qui es au pouvoir. Mais non. Non, tu vas regretter fort. Tu vas regretter fort. Tu vas regretter fort. Parce que tout ce que tu as dit là, tout ça c'est enregistré. Moi, le fait de dire ce que tu as dit sur Kumpital, non, sincèrement, moi, je n'étais pas d'accord avec Kumpital, hein, parce que Kumpital, pour moi, Kumpital ne devrait même pas te donner la parole, d'abord, pour commencer. Pour moi, Kumpital ne devrait pas le faire. Parce que, ça dit, tout le monde a compris que tu veux brûler la Guinée. Même ton frère, même père nous l'a dit, que tu vas brûler la Guinée. Et c'est ce que, et tu es sur le chemin de brûler la Guinée. Parce que, koko wonda wolde do, jama wakyan tamadundo Ousmane Gawa. Koko wonda wadde do, himbe ben akyan tamadundo. Awa wata joda goldo hande inname wonde ma guine be ben ha jaka election guine be ben ko lawi fala e kuran e ndiyan e buttu an yida mawla reduma yida futen no men an inna wonde ma men jawata ma dun ko fenande non sadi faut de la façon dont tu te fous des guinéens là il y a des guinéens qui ne vont pas te tolérer si tu as la sousire de la mes poste si la sousire de la mes poste men ay sa c'est-à-dire
aku nenga la kumi wolita dona menasa kumi wolita dona menas de mingi na menas mione wolita dofes mingi koko koko mi andi vraiment guinea mbe njaba takon mingi mi njaba takon kudumi mione wolita don voilà koko mi andi vraiment hai goto non doa kajabu don est-ce que idong andi mi hala na ndo hunde watere omani est-ce que idong andi Ousmane Gawal lo si taw no harako sénégalais djono est-ce que idong andi o harako sénégalais djono salut Aliou Kona ça va est-ce que idong andi si taw no ko sénégalais djono o sou satano wolde ko wol doko koko woli guiné doko koko wolani en doko hay président Macky Sall sou sali wolde ko Ousmane Gawal woné wolde doko président Macky Sall jogi nodo binduma c'est-à-dire sariya on no wol no wadno mo fi yo wolu mo way wonde candidat mo wono wonde candidat sariya on no newnani mo kono sou sali wolde Ousmane Gawal porte-parole du gouvernement criminel au souci arde do den o yeto guiné ngon fo wonde ma guiné ngon haja ka élection. C'est-à-dire o andi nen carrément kambe na fi élection wona guiné be ben ko be mo ina ne laabi be mo ina ne kura ada ne duma onon wo ada ne kadi avion je wo ada ne kadi bus je wo ada ne no c'est-à-dire ko aljanna o be jogi ton embangulamu weliri on Emba onon lamu mama di dumbu ya weli on. Onon orena mama di dumbu ya olani modu de jiyang ofo. Ang Ousmane Gawal amino sikude nungina mari akile fahamu. Fondo wono la ku IFDG. Moi je pensais que t'étais intelligent. Jaka koni fotata. Jaka Ousmane Gawal koni fotata. Mais c'est incroyable. E wala non dundo fop non minani Madik San Frontier no yalti no sabuti mo doden. Dundon kadi, fikala tawaka do mi wei bade dom antri jemi. Wata goto teuto ko Madik wolata. Madik San Frontier, si tawi hauri Ousmane Gawal do wadi mo goddum, kanko mo wadi baba ko Ousmane Gawal wadi kon. Pase kanko kadi, ko criminel do wondo e tampine jama ko ongo wondi, donc il la kala ferme. Madik Sans Frontières, s'il a des comptes à régler avec Ousmane Gawal, c'est son problème là-bas. Mais lui et Ousmane Gawal, il est pur que Ousmane Gawal. Parce que lui, il est avec Mamadi Doumbouya. Il a trahi tout le peuple. Parce que le peuple avait confiance à Madik. Au temps d'Alpha Condé, il a mené un combat noble. Tout le monde était fier de Madik Sans Frontières. Mais là, actuellement, là, c'est pas parce que Ousmane Gawal est en train de se foutre de toute la République que tu vas venir ici dire que Ousmane Gawal s'est rentré là, s'est sorti là. Nous, on s'en fout de ça. Règle tes comptes là-bas. Mais pas une récupération, non. Le peuple de Guinée a tout compris. Madik, allie-toi avec Alpha, avec Mamadi Doumbouya. Gère tes intérêts personnels. Mais la jeunesse guinéenne consciente a fini avec toi. Ça, c'est sûr. Ça, au moins, c'est clair. Si tu veux, tu vas aller attaquer Ousmane Gawal. Si tu veux, tu vas faire ce que tu veux. Moi, je suis le premier à être contre Ousmane Gawal. Mais pas de cette façon-là. Règle des comptes, non. Nous, ce n'est pas des règlements de comptes. Nous menons un combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous menons un combat pour qu'ils arrêtent de tuer nos compatriotes. On mène un combat pour qu'on ne kidnappe plus nos compatriotes. On mène un combat pour qu'on n'emprisonne pas des innocents. On mène un combat, nous, pour qu'il y ait la démocratie instaurée en République de Guinée. Nous, on mène un combat pour qu'il y ait les libertés d'expression en Guinée. Nous, on mène un combat noble. Nous, c'est pas des règlements de compte. Nous, c'est pas des intérêts personnels. Personne ne nous paye. On s'en fout de l'argent. Même Facebook, on s'en fout de l'argent de Facebook. Nous, on mène des combats pour notre patrie. C'est notre patrie. Si c'est quelqu'un qui me payait, peut-être que je n'allais pas attaquer Ousmane Gawal.
Moi, j'attaque Ousmane Gawal parce que c'est la Guinée qui nous lie. La Guinée qui nous lie. Il est en train de se foutre de ma patrie. Il est en train il est en train de préparer pour brûler, pour déstabiliser ma Guinée. Et je ne vais pas lui permettre ça si je le vois ici. Voilà. Et pourquoi je vais le faire? Même si c'est la dernière des choses que je vais faire dans ma vie, pourquoi je vais le faire? C'est pour ma patrie que je vais le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a donné un centime. Il faut que ça soit clair. Donc, les règlements de compte de Madix Sans Frontières, ça n'a rien à voir. On s'en fout de ça. Voilà. Nous, moi, je préfère Ousmane Gawal que Madix. Voilà. C'est ça, c'est la vérité. Parce que là, au moins, lui, maintenant, on a compris. On a tout compris. On a tout compris. Quand quelqu'un vit au Canada et qu'il est libre de chercher sa vie comme il veut, il est prêt à soutenir Mamadi, il est prêt à laver Mamadi Doumbouya proprement, au détriment des autres. Ça, c'est pas vrai. Mamadi Doumbouya, s'il ne veut pas se salir de sang, il va pas toucher le sang. Actuellement, Mamadi Doumbouya, il est jusqu'au fond. Il est mouillé du sang. Et toi, tu dis que il aime la Guinée. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a adopté. Un petit frère à toi, il t'a adopté. C'est-à-dire, à cause de vraiment, parce que tout simplement, tu as tes intérêts avec lui. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait en Guinée pour que toi, tu dis que Mamadi Doumbouya t'a adopté, Mamadi Doumbouya, il aime la Guinée, Mamadi Doumbouya, il a dit que ici c'est votre maison, le palais, c'est votre maison. Mais effectivement, le palais, c'est votre maison parce que vous avez cherché vos intérêts là-bas. C'est pour cela que vous êtes content, vous à qui il a invité là-bas. Maintenant, nous, en tant que patriotes, nous, Mamadi Doumbouya ne peut pas nous payer. Moi, par exemple, moi, j'ai toujours dit ça. Quand ils ont dissous le gouvernement, moi, j'avais dit aux Guinéens de ne plus se présenter là-bas. Que personne accepte d'un poste ministériel parce que c'est un gouvernement sanguinaire. C'est un gouvernement criminel. Des gens qui ne veulent rien. Visibilité zéro sur la transition. Arrêtez de soutenir ces gens-là. Moi, j'ai dit, si j'ai mon frère, même mère, même père qui rentre dans ça, je vais lui dire que c'est fini entre nous. Parce que je ne peux pas laisser mon frère, c'est-à-dire, je ne peux pas laisser mon frère aller, s'introduire dans un clan bandit criminel. Alors que moi, je vais applaudir ça pour dire, ouais, mon frère a eu un décret, il est devenu ministre. Ça, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut être vraiment honoré parce qu'il est ministre du CNRD? Si tu es ministre du CNRD, tu n'es pas considéré. Parce que tu as été ministre des criminels. Demain, quand CNRD n'existera plus, vous qui avez travaillé avec CNRD, vous n'êtes pas honoré. La première année, oui. La première année, oui. La première année, la majorité des Guinéens étaient avec le CNRD parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas ce qu'ils voulaient. Mais du moment qu'on a compris tout ce qu'ils voulaient, à partir de là, maintenant, personne ne devrait travailler avec eux. Mais vous, actuellement, qui avez fait maintenant 3 ans avec le CNRD, vous n'êtes plus honoré. Vous êtes des complices de criminels. Vous êtes des complices. Donc, c'est pour cela que je dis, moi, personnellement, ma dignité ne me permet pas. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Moi, si j'étais en Guinée, si c'est là-bas que je travaillais, si je vivais en Guinée, il y a 2 choses. Déjà, je ne suis pas là-bas parce que j'ai longue vie. Parce que si j'étais là-bas, j'allais pas. C'est sûr que je n'avais pas longue vie. Parce qu'ils allaient me tuer déjà. On me tue ou on me met en prison. Moi, si je vivais en Guinée, la prison allait être chez moi. Parce que pour moi, les hommes dignes en Guinée, ils sont en prison. Je ne parle pas des gens du CNDD, ceux qui ont massacré le peuple. Non, je ne parle pas de ceux-là. Mais les prisonniers qu'on prend aujourd'hui pour mettre en prison, les citoyens lambda, pour moi, c'est des gens qui ont leur dignité. Comme les Fonike Mengue qui ont été kidnappés comme ça. Des citoyens qui ont leur dignité. Ceux-là ne doivent même pas rester en ville. Parce qu'en Guinée, c'est les criminels qui sont libres. C'est les malhonnêtes qui sont libres. C'est les manipulateurs qui sont libres. Les gens, moi par exemple, si j'étais en Guinée, ma place c'est en prison ou bien au cimetière. Ça, c'est les 2 choses. Ou au cimetière ou en prison.
Moi-même, devant le juge, les juges qu'ils sont en train de... les jugements qu'ils font en Guinée actuellement. Moi, Ilo et la diaspora, je vous dis la vérité. Hein. Peut-être qu'un jour, l'occasion se présentera, vous allez voir. Moi, en tant qu'il y a des criminels au pouvoir, je préfère rester en prison. Si moi, je vis. Parce que si j'arrive devant le juge, je vais lui dire, en tant que le gouvernement continue à tuer mes compatriotes, mets-moi en prison. S'il me dit 5 ans, je vais lui dire, mets encore 10 ans. Mais c'est ça. Vous avez quelle dignité à vivre dans un pays comme ça? Quelle dignité? Moi, je ne peux pas rester dehors. Je préfère rester en prison. Qu'on laisse que ma famille vienne me visiter en prison, c'est tout. C'est tout. Ou bien qu'on me tue, c'est tout. Et puis ça finit. Basta. Tout le monde va mourir. Mais pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? Koudouadi, quand je vois ici des gens qui essayent de me donner des conseils, soit disant non, mais non, il faut savoir que voilà, vous êtes dans un pays de droit, voilà, il faut arrêter de menacer Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, moi je lui menace pas. Ousmane Gawal, c'est un criminel. C'est un complice de criminel. C'est lui le porte-parole du gouvernement, moi je ne lui menace pas. Ils sont en train de tuer nos compatriotes. Combien de personnes ils ont tué? Officiellement 47 d'abord. Son frère, même mère, même père nous a dit ici, dans la vidéo, qu'il a dit à son propre frère qu'il va mettre la drogue dans sa salle pour qu'on l'arrête. Lui-même, il a emprisonné son frère à la maison centrale, Ousmane Gawal. Il a mis son frère là-bas. Mais c'est des voyous, c'est des criminels. C'est des criminels. Son frère, même mère, même père, il l'a mis en prison. Mais attends, quelqu'un me dit non, il faut... Il ne maîtrise pas, c'est-à-dire lui-même, c'est-à-dire ce qu'il dit, il ne maîtrise même pas. Ce qu'il dit, c'est-à-dire il le dit comme ça, parce que lui, il ne considère pas le Guinéen. Il pense que lui, le Guinéen, il est tellement hautain qu'il pense qu'il est plus que les Guinéens. C'est-à-dire, il pense que lui, comme il a l'art de parler, c'est-à-dire les Guinéens, il peut les parler comme il veut. Mais même si nous, on ne sait pas parler, Ousmane, mais on réfléchit, on analyse. Toi, tu nous as dit que Sall Oudalen n'a plus de légitimité dans l'UFDG. Et pourtant, toi, tu es avec Mamadi Doumbouya, qui a pris les armes pour prendre le pouvoir. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que Sall Oudalen, de la manière qu'il est à l'UFDG, et que toi, de la manière dont tu es avec le CNRD, est-ce que c'est comparable? Et pourtant, tu oses nous dire ça parce que tu te fous de nous. Tu te fous de nous. Tu te fous des Guinéens. C'est pour cela que je dis que les Guinéens ne vont pas te pardonner. Les Guinéens ne vont pas te pardonner. Donc, mes chers compatriotes, spécial Ousmane Gawal, et on n'a pas fini, hein, parce qu'ils sont ici à Paris. Ils sont là encore. Le Baouri est arrivé. Baouri Heouti Paris. Voilà. Fondodo Ninini, Behaldi Fotugol est résidence privée. Behaldi Fotugol est résidence privée, mais il y a bien information. Enfin, quand on est sourd. On va voir. Faut que nous on arde en tant que républicain, en tant que ministre délégation arbedo. Haikalisi. Ko yobu don kon. Freji mondi. Fop men andi ko jelu. Men wertano ya jama o fop. Konakri Paris. Konakri. Fre hotel. Frey taxi et douma ko nyamoton ko fou fo men andi ko djelu men wertane dum don fop kati parce que ko guinée be ben djey ko mboudi guinée leydi ndi ala courant ala ndiam son hala na ma ko be dépenser do ko fi balde nay mi la djogiro fo mi wolta taw ina fi buzz wona do
wargol non ko si wi gol do de joni awa joni partager do mi holla non c'est pas ça fiou menen do ko gasata ko gasata soude mo jade wade piji mon ding en privé noddo dire soudo don de résidence privée officiellement do ko interdit dun non tumi hala non bay so noddi ti do guinébeng holla yon ko sikka Guinée, mais on l'a eu en conséquence. Donc, il y a l'autre là, son pareil qui voulait intervenir. Mais moi, je vais arrêter le live parce qu'il est déjà long. Donc, voilà, son pareil, tu peux m'appeler au privé, on va programmer un live si tu veux. Il y a l'autre là aussi qui m'avait dit qu'il voulait intervenir, un débat, mais ce n'est pas sur Ousmane Gawal. Hein. Pour moi, Ousmane Gawal, je n'ai pas de débat. Quelqu'un qui ose dire que celle de l'Ouest n'est pas légitime dans l'UFDG. Alors que lui, il est légitime avec le CNRD. Moi, avec lui là, il n'y a pas de débat. Voilà. Mouawi, on tout de hundu komung. Inna selu daleng. Inna légitime. Hande kadi mandama kon lanino. UFDG. Mais kono. Kanko imo wonde CNRD. Mama di dumbu yanko légitime. Mingongasi. Selu daleng. Mwanda ndaware mani. Aduna la wap. Fap no wonde makko. UFDG fap no wonde makko. Ang Ousmane Gawal, ang awawi, ontu de hundu koma kong inna wonde ma wana legitim. Ang koko fala la kong wata. No. Ang ong hika. Beidu kadi yewtu gol. Paske nde yewtu da ogine mbebe nkadi beidu to. Beidu kadi yewtu gol. Nani? Nyamnen ko yewtu da kumpital kong, lundon marama. Ko yewtu da TV5 kong, lundon kadi marama. Joni yewtu kadi. Nani? Yewtu kadi parce que bi honnete lanni ngulamu do silanni ontuma te ngande kadi ko hondu wolata jokku be mo ben non mi jeejibe yobe accu mi torikebe yobe accu onon jokku be Ousmane Gawal ben mi toriki on fi Allah waton tewto ade mo sadi odo no buri ko buri kuddi jokki o hari hakke kuddi dun no jokki Ousmane Gawal on tugol hundu ko mun daro fewta guinéen be ben fou acce fi Allah onon kadi acce ni jokugol on neddo do dare ko yewti jogi do micro wondo ba o télé wona ko fala wo halata wona ko miji wo kadi halata piji go hay se gonga ja mare da andi sa hali gonga on o dimbali ka sa fin décembre do den 2024 ray no hasi ka election organisé ko dum woni ko mel landi est ce que dun wawala tale no guinéen be ben ko fala kolali labutaneji lekolji on fami butu ko dun gine be fala wala fi election gine be woni halude mo landi da gine hoko entama e la wala lado kura ngalado ndiyan no manki labutane on dima donc haray jamaji ni Allahu akbar emba gine la manoma emba gine lama noma subhanallah emba gine hebi no ministre be emba gine lama noma dari goddo no dari no mora deral munno inne gine be ben ko ni he ono wai footage mengo ko goddo inna ta odo de wonde ma de wada deba fi makko deba hondo wadete o ko hakke kuddi jokkimo parce que c'est-à-dire, wawata, c'est-à-dire, hejata e hore mardo ndimankaku koko o wone wolde kon. Kala jogido ndimu, Ousmane Gawal, ko wone wolde do kon, si taïd andi ko a guinéenjo, wallahi billahi son fouti a tiantamo. Wallahi billahi, si la mari dimu tiki, kida holi ko a guinéenjo, billahi son fouti Ousmane Gawal a tiantamo. Donc c'est clair et net. Ko wadata wono nga wadai, mais kon a ina e wodo me a tiantamo. Parce que la Guinée, fop on est fouté nade. Toute la Guinée entière. Monsieur Bian, meilleur toi, Kadis, Inch'Allah, Rabbi. Haraïko, Adouno Lando, spécial Ousmane Gawal, Kaya Andou. Bebe, wanda, avide, noddang, edouma, ming, be, sadiri, mingi na mi ben. Min si mi maï, pour défendre ma patrie, fondo reni Ousmane Gawal, yao golma. Ça dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, parce que tu te fous de ma patrie.
est-ce qu'a fami mi to nyama ko awol lantonyu de mi to nyama de mi ko awol lantonyu de parce que koko wonda awol de do adwa ka wolde dum fess mais kono gasi y a pas de problème Dieu est grand wonno no gasa bay da do mi do do maintu dam puccu dan Hollande ah yogol non ko saria min sa yeyi min on hala je suis fier de moi-même naban ko saria yettu video ji din ah yettu di fop nabadi ko saria ko mi holi ko yettu naba ko saria nodda lanton inna mi inni mi fusete hundu kon ko fottu den wo yow yeto da be bay haray onon ni don ko onon je aduna on ko onon je saria on ko onon je saria on lagine ton ko onon je saria on ardo de inna naba en saria voilà onno yantelam haray on fop modon on weltanama onon arbe do ben voilà sendi tube Wadoube Kerdi, je vous remercie tous qui avez participé à ce live. Je vous remercie. Voilà, le combat continue. Que personne n'ait peur. Imaginez-vous nos gens qui ont été, nos compatriotes qui ont été tués malgré, c'est-à-dire pour rien, abattus comme ça. Des gens qui sont kidnappés. Regardez Fonike Menge. Regardez Biloba. Ils n'ont rien fait. Les Ousmane Gawal vient ici avec leur gros ventre, ils nous racontent des bobards. Pourquoi nous on va avoir peur? Moi, quand je pense à ce qu'ils ont fait à Fonike Menge l'autre jour, mais je dis, mais pourquoi moi, je vais avoir peur? Pourquoi? Je vais avoir peur de qui? Moi, si je croise un ministre du CNRD, c'est lui qui doit avoir peur de moi ici. Si me faut tirer Baourini, ou quand on doit l'enrouler de Mininamin, il doit me houlder. Si me faut tirer Ousmane Gawal, ou quand on doit l'enrouler de Naminamin, il doit me houlder. Parce que mimi do andi ko mi fala ko mi dimo mi inami sari nami criminel mi ko mi responsable ko dum wadi simi inni c'est fotti mi jawete ko parce que ko mi responsable si ko mi fuyante djon nous en fotti no ko mi kella ne mi amane ko no bay non ko mi dimo ko mi jawete allez mes chers compatriotes à très bientôt le combat continue. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.